Eh bien salut tout à tous, c'est Missy Paradox et tout pour ce tout nouvel épisode de notre aventure sur The Legend of Zelda Breath of the Wild, c'est épisode 11. Si vous n'avez pas vu l'épisode 10, il est tourné en live. On a notamment on a avancé voilà, pas mal sur l'encyclopédie. On a fait quelques petites choses, on a trouvé pas mal de sanctuaires. Mais on se retrouve là, on s'était laissé du coup dans l'avant-dernier épisode. Et on devait aller notamment parler à notre ami Noya, donc je vous propose qu'on fasse ça tout de suite. Allez, c'est parti. Colors weave into a spire of flame. Distant sparks call to a past till unnamed. By this torch against the cold of the night. Set your soul and reawaken the undying light. Ok, donc qu'est-ce que tu me veux, Noya? Nom d'une noix. Comment on se retrouve? Je voulais rentrer chez moi dans la forêt Korogu, mais je me suis perdu. D'après les gens du relais ici, c'est le centre d'Hyrule. Alors ça veut dire que la forêt Korogu est encore tout au nord? Bon, puisque je suis ici, je vais en profiter pour me détendre un peu. Ah mais attends. Cette odeur, c'est celle d'une noix Korogu. Oh, mais alors, les enfants de la forêt m'ont offert d'autres. M'en ont offert d'autres. Si tu m'en donnes, j'agrandirai les compartiments de ta sacoche en échange. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Le compartiment d'épée encore. Alors, donne-moi deux noix Korogu. Ok. Voilà, plus on améliore, plus ça va nous coûter cher en Okoro. Parfait. Tac, on va agrandir celui des boucliers. Et enfin, celui des arcs. Non. Mais non! On va y arriver. Voilà, celui des arcs. Tac, il va nous en rester 3. On va peut-être encore pouvoir agrandir les armes. On va peut-être encore pouvoir agrandir celui des armes. Parfait. Tac. Donne-moi 3 noix. Parfait. D'accord, ok. Bah parfait. Ok, donc ça c'est fait. Pour ceux qui n'ont pas vu le live, on a également fait un sanctuaire. Le sanctuaire qui est là. Voilà, on a réussi à le faire, l'épreuve moyenne de force. Et il fallait également qu'on aille avant de s'arrêter, enfin avant de repartir, on va aller au laboratoire antique. Vu qu'on avait vu quelque chose de très intéressant pendant les lives. Donc voilà, là c'est un petit... Enfin, pas un petit récap, mais voilà, les choses qu'on a vues en live. Avant de démarrer vraiment l'épisode. Et on a pas mal de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Ici, au laboratoire antique. Oui, on a également fait des petites quêtes, des trucs comme ça, maintenant que j'y pense. Ici, si on parle à elle, voilà, on peut lui apporter des matériaux pour qu'elle nous améliore nos... notre tablette Sheikah. Oui, Titi. C'est parti, mon Kiki. Donne-nous un petit boost à ton détecteur Sheikah.
Dévrouillage de la pierre du guide. Allez, elle t'attend. Tablette Sheikah reconnue. Processus d'amélioration du détecteur Sheikah initialisé. Non. Parfait, le lecteur Sheikah Plus. Donc maintenant, voilà, on pourra rechercher des éléments avec ça et ça va vraiment être super pratique. Ok, donc en plus de rechercher les sanctuaires, on pourra rechercher maintenant des objets et ça va être super pratique. On continue. Bref travail. Bravo ma grande, tu as été très courageux. Ça c'est une bonne pierre guide. Maman est fière de toi. Le détecteur Sheikah Plus, je veux absolument le voir. Eh ben, dans ce cas, ça serait sympa si tu pouvais montrer ton détecteur Sheikah Plus à Canel. Deux secondes. Le signe qui s'en peut pas, mais je crois que la portée des bombes on peut. Trois arbres antiques, on les a. Et pour le skinetis, il nous faut des cœurs antiques et on en a qu'un, il en faut trois. Ça marche, merci bien. C'est parti mon kiki, donnons un petit coup de boost à tes bombes à distance. Déverrouillage de la pierre de guide. Allez, elle t'attend. Tablette Sheikah reconnue. Processus de l'amélioration des bombes à distance initialisées. Parfait, donc on fait plus de dégâts aux ennemis. Ça c'est cool. Et voilà le travail. Bravo ma grande, tu es très courageuse. C'est une bonne pierre de guide, maman est fière de toi. Si tu veux améliorer notre module, fais-moi signe. Ok, salut toi. Bonjour. Tu as obtenu le détecteur Sheikah Plus. Enfin, tu vas comprendre vite à quel point il peut être très pratique. D'après mes documents, il est capable de détecter les éléments que tu possèdes. Non, tu possèdes une photographie. On pourrait t'expliquer comment l'utiliser, mais je crois que rien ne vaut mieux que la pratique. Alors, allons-y. Alors, nous allons procéder à une petite expérience. Voyons voir. Oh non, on s'en fiche. Faut que je fasse quoi? Quoi? Attends. Tu as réussi à prendre une photographie d'un champi piment? Bah, je crois qu'on en a. Attendez. Oui. Oui. Très bien, voyons ça. Est-ce qu'on en a une? Non. Derrière le labo. Où sont tes champignons? Je sais pas. Bon, Pierre, on va. Voilà, c'est une quête secondaire. On la fera sans doute plus tard. Pour le moment, on a d'autres choses à faire. Voilà. Déjà, j'aimerais peut-être. Déjà, j'ai noté un truc à la montagne ici. On ira voir ça sans doute plus tard. Et donc voilà, toute cette zone, on a pas mal de petites choses à faire. Et on a également quelque chose ici. Ok. Dans un premier temps, on va aller... Premier temps, est-ce qu'on n'irait pas à Cocorico? Je vais aller à Cocorico, dans un premier temps. Parfait. Et donc, qu'est-ce que je veux? Je veux faire à Cocorico. Je veux tout simplement aller me chercher un nouveau cœur.
Un cœur en plus, oui. Très bien, je vais t'offrir ce que tu désires. Parfait. Et on va passer à 5 cœurs. Parfait. Va et ramène la paix en Hyrule. Tac, il arrive le cheval. Oh! C'est pas toi que je veux parler. Mince! C'est pas vrai. C'est à toi que je veux parler. Youpi. On joue à quoi? Oh, on joue pas. J'ai pas que ça à faire. Salut Faster. Salut mon cheval. Et viens. Ok, du coup. On a la rouge qui est là-bas. Ok. Allez, c'est parti. Direction les balises. Alors, à peu près, ça reste la rouge. Donc on va essayer d'aller sur la rouge. Ok, on voit le sanctuaire là-bas. Je sais pas où est la tour. La tour est là-bas, ok. On verra peut-être à la prendre. Salut. Ok, premier sanctuaire. C'est validé. C'est validé. Alors, quel est ce sanctuaire? Toi qui pénètre dans ce sanctuaire, Datakasu te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Est-ce que je... Ok, c'est sur l'eau. Ok, et donc... Ok, ici, il y a un petit quelque chose. Déjà pour moi. Ok. Malin. Compris. Oh purée. Ok. Descendre là. Voilà. Hop, c'est bon. Le premier, c'est fait. On va peut-être mettre un... détecteur shake. Détecteur shake, hein, pardon. Hop. On va mettre les coffres.
Voilà, comme ça, mon... Hop, ça sonnera dès qu'il y aura un coffre pas loin. Peut-être... Ok. Ouais. À moins qu'on reprenne le même pot. Ok, j'ai compris. Allez. Parfait. Hop. Et là, il va tomber. Parfait. Easy. Easy. Non, mais du coup il me dit qu'il y a un coffre par là. Ah ok, là. Ok, ça a vidé là aussi. Voilà, il est là le coffre. Il est là. Longue épaisse aura. Pas mal. Ok, bon bah, premier sanctuaire de fées, donc ça c'est plutôt cool. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la Dacilia, reçois l'emblème du triomphe. Tant, tant, non, non. Mon devoir est désormais accompli. Puisse aider Cilia à te protéger dans ta quête. Merci, madame. Enfin, je suppose que c'est madame. Là-bas, on a la tour, ok. Ou alors, je crois qu'on en a un qui est pas loin aussi. Un sanctuaire. Ouais, le verre était pas si loin que ça. Et après on... Oh mais attendez, il y en a un là. Il y en a un là. Ou alors on va chercher la... Est-ce que j'irai pas d'ailleurs chercher la tour directe? Ouais mais il pleut. Attendez, c'est un courroux ça. Non, d'une feuille, tu m'as trouvé. Alors, va ailleurs. On est parti du coup pour le deuxième. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Fruit du Lotus Tempo, ok. Doit y avoir un coffre en face.
toi. Tac. Tac, voilà, qu'est-ce que c'est ça aussi? Voilà. Ok. Quoi? T'es pas mort, toi. Excuse-moi d'avoir cru que t'étais nul. Ok, ça je l'ai déjà. Oh, trop bien. Hallebarde du chevalier, ok. Ok. Et vous là-bas? Par ici? C'est un Zora? Qu'est-ce qu'il me veut? Pardonnez-moi de vous avoir interrompu de la sorte. Je suis un Zora. Mon nom est... Telago. Voilà que vous êtes un Ilien, je me suis permis de vous adresser la parole. Pourriez-vous me parler un instant? Je t'en prie. Je vous remercie. Il y a une tour au sommet de cette montagne, là-bas. La voyez-vous? J'aimerais que vous vous y rendiez, que vous vous rendiez sur le pont Igogo, qui se trouve en amont de la Zora, au nord de cette tour. Vous me demandez sûrement pourquoi moi, je me trompe. Et j'imagine que quiconque se ferait... Heulé sur la route par un Zora penserait la même chose. Toutefois, vous avez tout à gagner à écouter mon histoire. Si vous trouvez son Altesse Sidon, le prince des Zora, est à la recherche d'un Ilien fort et capable. En aiguisant d'une requête de son Altesse, il fera aucun doute qu'une récompense est à la clé. C'est pourquoi j'aimerais que vous alliez rencontrer son Altesse Sidon, on va dire, sur le pont Igogo, en amont de la Zora. Ok, bah on ira, deux secondes. Mais bon, c'est pas prévu maintenant en fait. Voilà, les domaines Zora, c'est une zone des quêtes. D'ailleurs, oui, j'ai parmi les quêtes. Voilà, c'est une quête des créatures divines. Je crois qu'on est pas si loin que ça. Ouais, voilà. On est pas loin de l'une des créatures divines. Bah d'ailleurs, on en a une dans cette zone-là. Du vent. Oh, t'as tout looté dans l'eau. T'es relou. Comment est-ce qu'on va fouiller celui-là? Faut qu'on arrive de plus haut, à mon avis. Oula. Et puis apprendre beaucoup. Ok. Toi qu'on récupère.
Ok, c'est bon, j'ai compris comment l'avoir. C'est pas compliqué, compliqué. Oui, non, mais là, je me noie en fait. Quel abruti. Je fais des bêtises. Oh tiens, il y a un coffre là. C'est toujours le même coffre ça? Oui. Fudge glace, parfait. Et donc à mon avis... Ça passe pas. Je suis passé haut. Je suis passé haut. Ah, est-ce que je peux aller jusque là-bas? Tac, on va essayer de monter ici. Ça paraît loin, non? Ou alors, attendez, je pense à un truc. Mais j'en ai pas. Peut-être avec des... Mince. Avec des flèches de feu, je me dis. Parce que là, jamais ça passe, on est d'accord. Bon, sinon, on va aller à la tour derrière. Ah, tant pis, on va aller voir la tour. Pour le moment, on va aller voir la tour. Donc maintenant, j'ai pas mal de pommes à manger. Ok, à mon avis, il doit y avoir un coffre là-dedans. Bon, on va laisser, on va pas prendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Champivolt. Ok. Tac. Allez, on est parti pour la tour. Oh, c'est beau par là. On dirait une zone Zora. Attendez, il y a beaucoup de courant là. On va pas passer comme ça. Donc là, on va être où? Ok, on va être juste à côté. On est dans la zone, dans l'une des zones de protégées. Ok, on est dans l'une des zones de protégées. Peut-être la zone des orages, justement. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Foutez-moi la paix. Sourire à la caméra. Oh la vache. Je réapparais d'où? Ça va. Ça va.
Malin. Mais pourquoi... Oh, il pleut. Champi Tempo, si tu veux. Mobline bleu. Surtout, c'est moi qui m'intéresse. Pour prendre la K26, en arc K5, ça devrait suffire. Ok, là il est tombé. Ce qui d'une traite. Ok. Oh la vache. Dégage. Attendez, parce que là il y a tellement de choses. Des flèches électriques. Des flèches de feu, ok. Tac. Et il était où le coffre? Il était là. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Un bouclier lapin. Ok, on arrive également vers la tour. Ok, j'ai plus d'armes. Oh purée! Ok, j'ai pas une bonne arme en plus. J'ai pas mieux question arme. Mon Dieu. Au revoir. Oh, regardez, on te voit. Bon, bah allez. Tour de l'anel. Allez, go. Bon.
Tac. On continue. D'ailleurs, faudrait qu'on aille chercher du coup la tenue d'escalade. Je sais pas quand est-ce qu'on ira. Je sais même pas. Je pense que oui, je vais enchaîner un autre épisode après. Et on obtient la carte de la zone. Tablette Sheikah reconnue. Activation. Mon Dieu, que c'est beau. Acquisition des données locales. Et on voit qu'on a un sanctuaire derrière. Tadam. Parfait. Oula, t'es fou ou quoi? Excuse d'avoir crié comme ça, mais j'ai vraiment... Tu m'as vraiment filé les jetons. Moi, c'est Gruve. Alors, qu'est-ce que tu fais? Et toi alors? Bonne question. Très bonne question même. En fait, avec le prince Shidon et d'autres auras du domaine, on cherche un Illien. J'étais en train de faire une petite sieste digestive quand il y a tout qui s'est mis à trembler et je me suis retrouvé ici. J'aimerais bien descendre, mais c'est trop. Si seulement le prince me remarquait depuis en bas. Mais d'y voir, t'es un Illien? Tu parles d'un coup de bol. Prince Shido, j'en ai trouvé un. Il y a un Illien ici. On dirait bien que le prince m'entend pas. Je ferais peut-être mieux de sauter dans la rivière et d'aller le rejoindre. Ou pas. C'est bien trop. C'est plutôt un coup à me briser les arrêts de ça. Désolé, Lien. Faudrait que je trouve comment descendre d'ici. Ça risque de prendre un peu plus de temps que prévu pour prévenir le prince. Mais non. Bon, vous êtes prêts? On va à ce sanctuaire-là. YOLO! Bonjour. Un Lilian? Oui, on te parlera après. Sao Kita, je crois. Un deuxième sanctuaire. Attendez, par contre, on n'a pas une photo à prendre de ça. Gros Animax. Ouh. Les Champignirules, ok. Bon, bah, allez, on est parti. Toi qui pénètre dans ce sanctuaire, Sao Koi te met à l'épreuve au nom de la déesse Illia. Épreuve basique de force, ok. Néanmoins, on a quoi? Est-ce qu'on a des fées ou pas? On n'a pas de fées. Ok, donc on va se nourrir. On va se nourrir de ça plutôt. Quoique, on a eu un gros Radimax, autant le manger, je pense. Ou on va le manger.
Voilà, au moins on est full vie. Bon, c'est un basique, on devrait s'en sortir normalement contre lui. Oh. Lock-le, 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 lock-le. Ok, donc ça on connaît. Putain, je vais pas y arriver. Si c'est bon. J'ai fait des bêtises. Mais purée, mais... Ah. Ouais, ok, il est vraiment pas compliqué en plus. Quand on fait pas n'importe quoi, il est pas compliqué. Qu'est-ce qui... Ok. Si je fais n'importe quoi. Oh, j'ai tellement fait n'importe quoi là sur ce combat. Link. C'est bon. Bouclier de gardien, glaive de gardien. Mince, j'aurais peut-être dû prendre la photo. Pas grave. C'est pas grave. Du coup, on prend le glaive de gardien et le bouclier de gardien. Piou! De toute façon, il me semble que même les photos qu'on rate, il me semble qu'on peut les acheter. Qu'on pourra les acheter donc. C'est pas un problème. En remportant la victoire, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la Decilia, reçois l'emblème du triomphe. Et donc, on va pouvoir s'arrêter là. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilia te protéger, ne t'inquiète. Eh bien, vous savez quoi? J'espère, en tout cas, franchement et sincèrement, les amis, ouais, que cet épisode vous aura plu. J'ai l'impression d'être en contre-jour, non? Non, c'est bon. Je suis peut-être un peu. J'espère en tout cas, franchement, sincèrement, les amis, que cet épisode vous aura plu.
Je m'excuse si je suis en contre-jour. Non, je sais pas. Si vous... What the fuck? C'est mani... Ok, c'est le domaine Zora. Pour moi, c'est sûr, c'est le domaine Zora. J'espère en tout cas, franchement, sincèrement, les amis, que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être tenu informé par notification dès qu'une vidéo sort. Vous pouvez également partager la vidéo à vos amis pour que ceux-ci puissent me découvrir. Vous pouvez également aller dans la description. Il y a mon lien Utip. Pour vous, c'est les pubs qui sont gratuites. Pour moi, ça me rémunère si mon travail est à la hauteur de vos attentes. Merci à tous ceux qui le feront. On se donne rendez-vous dès demain pour la suite. Voilà, il n'y aura pas tous les jours deux épisodes par jour. Voilà, généralement, c'est quand il y a un live, vous avez l'épisode plus la rediff du live. La rediff du live est considérée comme un épisode, bien que c'est full annexe. Donc voilà. Merci à tous, c'était Para, rendez-vous demain. Bye tout le monde. Salut tout le monde, bye.